c'est Clara Miard et Valentine Daudreuil. Et donc on est là pour l'association Reconnect, dont l'objet est de favoriser l'inclusion sociale grâce au développement de solutions numériques. On est très heureuse d'être lauréate du programme Impact Data de la Croix-Rouge française et de la Fondation Roche. On a développé un coffre-fort numérique dont l'objectif est de sécuriser les documents administratifs et aussi personnels de personnes qui vont être en situation de précarité et de vulnérabilité. Et le coffre-fort numérique s'adresse aussi à tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent dans des structures d'accompagnement social ou médico-social pour faciliter leur travail quotidien et l'accès aux informations dont ils ont besoin dans l'accompagnement. Et le coffre-fort numérique, du coup, est disponible sur un site internet et aussi sur une application mobile qui est traduite en plusieurs langues. Le projet Reconnect, il est né d'une problématique récurrente pour des personnes en situation de précarité, la problématique de pouvoir conserver leurs informations essentielles aux démarches d'accès aux droits et d'accès aux soins. Et il est également né du constat que les travailleurs sociaux perdent beaucoup de temps, facilement 30% de leur temps, à refaire ces documents, à refaire des procédures pour accéder aux documents. D'où l'intérêt en fait de pouvoir répondre à ces deux problématiques via le coffre-fort numérique. Le soutien de la Croix-Rouge française et de la Fondation Roche va nous permettre d'abord de trouver un terrain d'expérimentation pour notre solution auprès de structures professionnelles ou bénévoles de la Croix-Rouge française. Et ce sera également l'occasion de bénéficier des conseils, des retours, des professionnels et des bénévoles, des structures sur lesquelles on va pouvoir expérimenter pour pouvoir faire évoluer notre outil. Ce qui nous anime le plus, c'est d'aller sur le terrain et de voir concrètement l'impact de nos solutions sur les bénéficiaires et les professionnels. C'est aussi là qu'on rencontre dans ces structures des personnes engagées tous les jours et c'est une vraie source d'inspiration.